Gloire à Dieu, quel privilège et quelle faveur d'être encore en vie en ce jour. Merci, tendre Père Céleste. Merci pour ce merveilleux moment autour de ta parole, cette parole qui est la vie, qui est la lampe à nos pieds, qui nous remet sur le droit chemin. Merci, Père éternel, de nous bénir pendant l'écoute de ce message que tu as posé sur mon cœur, en éloignant toute distraction et confusion et que toute la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans le psaume 84. Je ferai la lecture dans la version 8 secondes. Au chef des chantres sur la guittite des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Gloire et honneur soient rendus à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 84, écrit par les fils de Corée, descendants de Lévi, par Kehath. Les fils de Corée étaient les gardiens du temple, c'étaient des musiciens. Et l'intervention de ce jour a pour but de fortifier, de ramener encore à l'essentiel qui est l'intimité avec Dieu, un enfant de Dieu qui m'écoute. Le psaume 84 évoque la bénédiction qui repose sur tout ce qui demeure auprès de Dieu. Il exprime comme ça la joie que ressent tout croyant qui s'approche de Dieu. Car oui, l'intimité avec Dieu nous remplit de joie et de bien-être. Et rien ici-bas, rien dans ce monde n'est comparable à la communion avec Dieu. Car la communion avec Dieu est pour nous croyants une source de puissance. Car c'est en étant connectés, liés, intimes à Dieu que nous pouvons manifester les attributs de notre Dieu, notre Père. Comme sa force, sa lumière, son intégrité, nous pouvons marcher dans la vérité. La communion avec Dieu, c'est quelque chose qui nous procure la vraie liberté. Elle éradique en nous la peur et le découragement sous toutes ses formes. Et même au cœur des combats et des différentes oppositions que nous sommes amenés à rencontrer, on demeure serein. Lorsque nous sommes intimes à Dieu, car on est conscient de la présence de Dieu à nos côtés. On sait qu'il est là et qu'il nous protège. On ressent en nous son amour et sa bonté. La présence de Dieu, c'est quelque chose qui nous envahit et qui nous fait, comme je le disais tantôt, ressentir ce bien-être. Et dans l'intimité avec Dieu, toute pression lâche. On sent en nous se combler un vide. On ressent une restauration profonde. David lui-même dans le psaume 27 verset 4 disait qu'il ne demande qu'une seule chose à Dieu. Une chose qu'il désire ardemment. C'est d'habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Car le roi David était conscient, il avait expérimenté que loin de Dieu, il n'y a point de paix. Loin de Dieu, il n'y a pas de joie. Loin de Dieu, on marche dans les ténèbres et on vit dans les tourments et la dépression. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, toi qui écoutes ce message, est-ce que tu sais que tu as reçu au travers de la nouvelle naissance le libre accès à Dieu? Hébreux chapitre 4, verset 16 te demande de t'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous tes besoins. Tu dois avoir pour aspiration profonde d'adorer Dieu. Tout enfant de Dieu authentique et vrai doit avoir un réel attachement à Dieu. Et cela se manifeste en le fait de soupirer auprès de lui, c'est-à-dire rechercher de manière permanente, constante, quelle est sa volonté? En se détournant du péché, du mal, du mensonge, en quittant les ténèbres,
Nous devons laisser que la parole de Dieu nous transforme. On doit aimer passer le temps dans la prière, la lecture de la parole, la méditation. Aimer écouter et surtout mettre en pratique cette parole qui nous est enseignée. Car nous avons expérimenté Dieu. Car nous l'avons connu comme le Dieu Tout-Puissant. Ayant goûté l'Éternel, on sait qu'il est bon. On le reconnaît comme les Coréites, que les demeures ou encore le lieu où Dieu réside. La présence de Dieu est aimable. C'est un endroit où il est bon de demeurer, de vivre. Et c'est tellement bon que notre âme soupire et languit car il est consumé par le désir d'adorer Dieu de tout son cœur. Jésus-Christ a dit en Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus important et le plus grand de tous les commandements. Les Coréites parlent de la demeure de l'Éternel et il dit d'elles qu'elles sont aimables, bien-aimées. La présence de Dieu est aimable. Elle est bonne et agréable. Le cœur et la chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Nous avons besoin de Dieu instant après instant. Voilà pourquoi Jésus-Christ en Matthieu 4:4 dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais le Christ dit que l'homme vit de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est capable de donner le repos à nos âmes. C'est la parole de Dieu qui nous régénère, qui nous redonne de l'espoir, qui nous fait vivre. C'est elle qui nous délivre lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes liés par les pressions et les oppressions. Dieu envoie sa parole et elle nous fait échapper de la fosse. Elle nous guérit. Psaume 107, verset 20. Les Coréites reconnaissent que même les oiseaux ont le passereau et l'hirondelle, qui ont pourtant la capacité de se construire des nids partout ailleurs, eux aussi trouvent un refuge, un asile dans le temple de l'Éternel. Le verset 5 de ce merveilleux psaume dit quoi? Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Bien aimé, le mot heureux dans ce psaume revient à 3 reprises en les versets 5, 6 et 13, mettant comme ça en évidence le bonheur qu'éprouvent ceux qui habitent la maison de l'Éternel. Plusieurs personnes dans ce monde rempli d'injustice et de corruption, de ténèbres, recherchent le bonheur et parfois malheureusement se tournent vers des personnes qu'on pense être des personnes de confiance, vers des thérapies, des styles de vie, des religions ou encore vers des plaisirs charnels, vers des relations, vers certaines acquisitions matérielles, financières ou autres, vers les différents lieux de service. Hélas, soyons bien conscients, comme nous le témoigne d'ailleurs la parole de Dieu, que rien ni personne, aucune chose ici-bas ne peut procurer le véritable bonheur, procurer la paix, la joie, la paisibilité de l'âme. Dans Jean 14, verset 27, il est écrit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Bien-aimés, loin de Dieu, nous ne pouvons pas jouir de cette paix. Dieu est la source de paix, c'est lui le Jéhovah Shalom. Loin de lui, nous ne pouvons pas expérimenter, connaître ce qu'est la paix réelle. Il est notre soleil, comme nous l'avons lu. C'est lui notre lumière. Et loin de lui, nous tombons immédiatement dans les ténèbres, la confusion et la dépression. Le péché, à toi qui écoutes ce message et qui peut-être te trouve dans le péché, sache que le péché que tu entretiens, que tu es en train d'affectionner, de pratiquer, est ce qui t'éloigne de la présence de Dieu. Car notre Dieu est saint et il faut que ceux qui s'approchent de lui soient saints comme lui. C'est ce péché qui t'incite à renoncer à la vérité et il va finir par te perdre car le salaire du péché, c'est la mort. Mais en te perdant, il remplira ta vie de tristesse et de honte. Satan ne combat pas pour rien la communion avec Dieu. Satan ne s'attaque pas à l'intimité avec Dieu pour rien. Car il sait que proche de Dieu, tu demeures protégé et tu n'es plus à sa merci. Voilà pourquoi il use de ruses, de fourberie. Il utilise l'appât du péché de la séduction pour pouvoir te prendre dans ses filets. Mais je vais te le redire, que le péché pratiqué qui actuellement semble te procurer du plaisir va peu à peu te coûter cher et t'entraîner vers la chute. Si tu t'entêtes à continuer sur la voie de la perdition, bien-aimé, sache que tu finiras par sombrer dans une très grande misère. Et même le vide que jadis la présence de Dieu avait comblé en toi laissera de nouveau la place à un gouffre qui t'enfoncera davantage dans le tourment. Jean 10:10 nous dévoile les objectifs du diable, dérober et égorger et détruire. Ne t'attends strictement à aucun bien en vivant hors communion avec Dieu, en marchant main dans la main avec le diable au travers du péché. Il va, je te le redis, te couvrir de honte, te dépouiller bien comme il faut avant de te détruire complètement.
Voilà pourquoi, ayant écouté ce message, repens-toi. Renonce à ton orgueil, à ton impudicité, au mensonge dans lequel tu vis depuis désormais trop longtemps et qui est en train de te détruire. La joie et la paix que tu recherches au fond de toi, dont ton âme a besoin, ça fait partie du fruit de l'esprit écrit dans le Galates chapitre 5, 22. Et tu ne peux y prétendre en étant loin de Dieu. Si tu as besoin de cela, retourne à Dieu. Ne remets pas à demain cette action. Reviens à lui de tout ton cœur pendant qu'il est encore temps. Retourne à la communion authentique, à l'intimité avec ton Père. La communion avec Dieu, c'est une grâce et une faveur qui procure la félicité, le bonheur. C'est là qu'on reçoit la vraie bénédiction, l'exaucement à nos prières, la restauration, la guérison de nos âmes. C'est là qu'on reçoit le courage d'avancer, même au cœur des combats. Et plus on célèbre, on loue, on adore Dieu, encore et encore, plus sa faveur et sa grâce nous couvrent et on se sent fortifié. Les Coréites l'avait compris, que Dieu c'est notre appui. Il est la force de tout croyant. Tout enfant de Dieu doit puiser sa force en l'Éternel et non en ses propres forces, et non en ses propres capacités intellectuelles, matérielles, financières, et non en ses relations. La parole dit d'ailleurs à ce sujet que maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. C'est Dieu au travers de sa grâce qui nous fortifie instant après instant. C'est lui qui nous soutient par son bras tout puissant et sans qui nous ne pouvons absolument rien faire. Jésus-Christ le dit d'ailleurs dans Jean chapitre 15 verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte le fruit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, je vais te le redire. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Il nous convient à tous les niveaux de demeurer attachés à Dieu et de placer en lui notre appui afin de rester en vie, afin de continuer à triompher de toutes les attaques de ce monde rempli de ténèbres. Prenant appui sur Dieu, nous trouvons dans le cœur des chemins tout tracés. Dans la communion avec Dieu bien-aimé, on marche dans la lumière, car on est éclairé par sa présence. La confusion n'est pas ton partage. Tu n'es pas ballottable à tout vent de doctrine. Tu ne tâtonnes pas devant la prise de décision. Comme en tout temps, tu te réfères à ce que te dit la parole. Tu alignes ton système de pensée sur la parole qui est la vérité pour avancer. Car la parole de Dieu est cette lampe à tes pieds qui t'éclaire. Dans l'intimité avec Dieu, tu es guidé, dirigé par le chemin lui-même qui est Christ. Jean 14, 6. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Étant en communion avec Dieu, tu marches dans la vérité. C'est cette vérité qui te mène, qui te conduit à la vie. Auprès de verts pâturages, auprès des eaux paisibles. Quand tu es en communion avec Dieu, tu es dans le droit chemin. Souvenons-nous que Jérémie 10, verset 23 dit « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Dieu, dans son omniscience, voit et connaît. Il sait les réalités spirituelles de chaque chose, de chaque endroit. Ses yeux voient tout ce que nous ne voyons pas humainement. Et c'est en demeurant dans sa présence que nous sommes avertis et sécurisés. Voilà pourquoi l'ennemi combat, je le redis encore, il attaque constamment la communion avec Dieu. Car il sait qu'il est avantageux que nous nous éloignions de Dieu. C'est avantageux pour lui, car nous serions alors des proies aisées qu'il pourra détruire. Quand tu marches avec Dieu, comme dit le psaume 84 que nous venons de lire, même lorsque tu traverses la vallée de Baca, la vallée de Baca représente la vallée de larmes, de pleurs. Tu as la capacité de la transformer en un lieu plein de sources et la pluie également aussi couvre de bénédictions. Bien-aimé, ça arrive à tout croyant, à tout enfant de Dieu des moments de crise. Nous traversons tous à un moment donné ou à un autre des épreuves, des déserts. La vie d'un enfant de Dieu est loin d'être un long fleuve paisible. Mais c'est une vie parsemée d'épreuves. Il y a certes des moments de calme, d'accalmie, mais c'est souvent limité dans le temps. Et d'autres croyants, et personnellement j'en sais quelque chose, peuvent être confrontés constamment à de réels moments d'aridité, des moments très 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 difficiles, où on subit les injustices, et où si tu n'es pas ferme dans ton attachement à Dieu, tu peux renoncer à la foi. Combien d'enfants de Dieu dans la vallée de Baca ont fait naufrage à leur foi? En abandonnant la vérité, en abandonnant Dieu, car la pression était trop forte. Mais à toi qui m'écoutes en ce moment, plus tu demeures attaché à Dieu, tu demeures dans sa présence, sachant qu'il est ton appui, ta force, plus tu es capable de transformer ces moments d'épreuve, ces moments de pleurs, de dépression en moments de joie et de victoire. Car
c'est Dieu qui te fortifie en toutes choses. Bien-aimé, ce n'est pas par ta force ni par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. La parole te dit que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Même en traversant l'ombre de la vallée de la mort, la houlette et le bâton de l'Éternel sont là pour te sécuriser. La parole de Dieu te dit qu'aucune situation ne t'arrivera, que Dieu ne puisse te donner la capacité de surmonter. Dans l'épreuve, Dieu te donne le moyen d'en sortir. Cette vallée de pleurs dans laquelle tu te trouves actuellement, je te le répète bien aimé, tu as le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu de la transformer en joie. Tu sers le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est capable de renverser les desseins des nations, celui à qui rien n'est impossible, qui fait concourir toutes choses pour ton bien. Il est avec toi. Qui peut être contre toi? Relève ta tête, enfant de Dieu, et appuie-toi sur Dieu et sur sa parole. Tu es plus que vainqueur en toutes choses. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Dans ce moment d'aridité que tu es en train de traverser, sache que Dieu pourvoira. Il s'appelle Jéhovah Jiré, d'une manière ou d'une autre. Dieu pourvoira. Dieu te donnera, je te le répète, la grâce de traverser et tu sentiras plus que vainqueur de cette épreuve. Il enverra du ciel sa pluie et nous savons que la pluie, c'est le signe de la bénédiction, de la présence de Dieu, de la productivité. Cette pluie te couvrira, bien-aimé, car la vérité est qu'aucun désert, aussi difficile, aussi compliqué, aussi aride, aussi terrible qu'il soit, n'est capable de contenir, de retenir, de renfermer le véritable enfant de Dieu. Ça mettra le temps que ça mettra, mais tu finiras par sortir, je te le répète, au nom de Jésus-Christ, plus que vainqueur et tête haute de cette épreuve. Car tu t'appuies sur Dieu, tu t'appuies sur sa parole en tout temps. C'est ça qui est la vérité. Pendant la marche, Dieu augmentera ta force. Tu seras fortifié. Si tu tombes en défaillance, Dieu te relèvera. Il est ton bouclier. Un bouclier imperméable à tout trait enflammé de l'adversaire. Aucune flèche du monde des ténèbres n'est capable de transpercer le bouclier que représente Dieu. Il est cette haie de protection autour de nous. C'est notre protection sûre. Le proverbe 18 verset 10 dit quoi? L'Éternel, c'est ce donjon bien fortifié vers lequel nous accourons, nous réfugier, dans lequel nous sommes en sécurité. Les Coréens disent que Dieu est notre soleil, il est notre lumière. C'est lui qui nous donne grâce et gloire au fur et à mesure et qui ne nous refuse aucun bien car nous demeurons dans la communion avec lui. Quand tu marches dans l'intimité avec Dieu, Dieu ne te refuse aucun bien. Il ne refuse aucun bien à tous ceux qui restent intègres et qui se confient en lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, tenons ferme dans la communion avec Dieu et continuons la marche. Amen.